Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Chers frères et sœurs, vous tous qui nous suivez dans votre émission Au cœur de la foi, ces paroles de l'évangéliste Saint Jean dans l'évangile de ce jour nous plongent véritablement au cœur du grand et du merveilleux mystère que nous célébrons en ce jour de Noël. Oui, disait l'apôtre Paul en effet, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Car comme l'annonçait aussi l'ange au berger, aujourd'hui nous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Tay, ci deku David, ab musalkat judul nañu, modi Christa borom bi. Li mbokk yi, modi kumpe giñuy xumbal ci aduna ci sepp, te ñepp bokk ko ak ñun. Xewte banex ak yaakar gu meut ndege gan gu mag giñu doon seenu ak sina Yesu Christa ruh ak baatu yalla sax sax mi yaramu ngir dekk si ci suñu digante ci suñu biir lilé la kétiéni yépp di xumbal tay di kumpu ciofel gu djéggi dayo bi yalla soppé nit ku nek soppé nit ku nek be nangu soufelu yaramu djel suñu djëm bok ak ñun lepp lu moy bakar waaw mbokk yi ñoka bare mur ak joli kumpu suñu ngëm que cette belle que cette si extraordinaire fête soit pour nous tous pour le monde si divisé si fragilisé pour toutes les populations de notre pays qui vivent des moments si difficiles et éprouvants. Oui, que cette fête de la naissance du Sauveur rallume dans le cœur la merveilleuse flamme de l'espérance et de la confiance en Dieu, en ce Dieu qui ne déçoit jamais. Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Thank you.
la terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Les rayonnements de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde, il dit que se prosterne devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Allé, alléluia, allé, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude.
nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On l'appelle messager de Dieu. Bien-aimé en Christ, le mystère de Noël que nous célébrons constitue le début de l'itinéraire pascal du Christ. Dans le dénuement total et dans une humilité désarmante, Dieu s'est fait homme et s'est frayé un chemin dans l'histoire de l'humanité pour faire route avec chacun de nous. Faire route vers le mystère pascal de notre rédemption. Noël est la fête des épousailles entre le divin et l'humain. L'Église, notre mère, célèbre dans la joie et l'allégresse ce si grand et si beau mystère de l'incarnation. Chromas d'Aquilée, un père de l'Église, s'est émerveillé devant une telle humilité de l'enfant Dieu en ces termes prononcés lors d'une homélie de Noël. Regarde avec quelle humilité le Fils de Dieu s'est abaissé pour notre cause. Il est posé dans une mangeoire, celui qui règne au ciel avec le Père. Il est emmailloté, celui qui élargit la veste de l'immortalité. Il se montre petit dans son corps, celui qui est sublime et puissant. Voilà, bien-aimé en Christ, le mystère que l'Église nous invite à contempler en cette solennité de Noël. Quittons nos palaces et palais, nos conforts et sécurités mondaines. Dépouillons-nous de nos prestiges et privilèges et allons contempler l'enfant Dieu qui nous enseigne, de par son dénuement et sa fragilité, la vraie valeur de l'humilité et de la simplicité que Dieu le Père voudrait imprimer dans le cœur de l'humanité. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle en cette fête l'immanence de Dieu. Par la naissance de son Fils, il s'est fait l'un de nous. Il est notre compagnon de route. Il nous rejoint dans les méandres de notre existence et nous adresse un message d'espérance et de salut. Il est la lumière, nous dit Saint Jean, qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. L'incarnation du Verbe de Dieu, c'est la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Il vient porter à son accomplissement toutes les prophéties et promesses jadis faites dans l'ancienne alliance. Avec lui, nous engageons un nouvel itinéraire spirituel caractérisé par notre nouvelle identité de Christophore, c'est-à-dire de porteur du Christ. Dieu habite en nous. Nous sommes ses crèches vivantes et ses tabernacles vivants où il a daigné établir sa demeure. Il incombe alors à tous et à chacun de laisser transparaître dans sa vie la magnanimité, la douceur et la miséricorde dont le Père a fait montre en acceptant d'épouser notre condition humaine. Frères et sœurs en Christ, la fête de Noël est par ailleurs le temps des retrouvailles familiales où, d'une manière inconsciente, nous célébrons le don de la vie. Nous nous accueillons les uns les autres, membres d'une même famille, comme un don de Dieu réciproque. En accueillant l'enfant Dieu dans nos cercles familiaux, laissons-le réchauffer en nos cœurs cet amour fraternel qui consolide et raffermit nos liens.
Laissons-le détruire toutes les barrières de la division, de la haine, de l'incompréhension qui nous empêchent d'apprécier la beauté et la splendeur de nos familles, don de Dieu au monde et à l'Église de son Fils. L'enfant Jésus est notre merveilleux conseiller, notre prince de la paix. Puisse-t-il, dans un monde où s'intensifient les foyers de guerre, où les inégalités et injustices deviennent monnaie courante, puisse-t-il redonner à tous une lueur d'espérance pour plus de justice, d'amour et de paix. Chers frères et sœurs, chers auditeurs et chers téléspectateurs, bienvenue dans la rubrique « L'invité du jour » dans votre émission « Au cœur de la foi ». Je suis heureux de partager ce plateau avec l'abbé Joseph Djokel Kama, à qui nous disons bonjour mon père. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation ici dans notre émission « Au cœur de la foi ». Je vous laisse le soin de saluer nos spectateurs et de vous présenter à eux. Merci pour cette invitation. Bien-aimé en Christ, paix et grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'abbé Joseph Djokel Kama, vicaire à la paroisse cathédrale Sainte-Anne de Thiès et chargé comme responsable de la commission diocésaine de liturgie. Voilà, en quelque sorte. Voilà, merci Monsieur l'abbé. Alors, comme vous l'avez dit, vous êtes le responsable de la liturgie de notre diocèse. Pouvez-vous nous présenter cette commission? Voilà, c'est avec joie que je me joins à vous pour cette émission, pour parler un peu de cette commission diocésaine qui, à mon avis, revêt une importance capitale dans la vie du diocèse, surtout en ce qui concerne les célébrations, parce que toute l'action de l'Église et qu'on converge vers la célébration, et je crois que c'est la liturgie qui nous aide à mieux vivre cette célébration. Donc cette commission a pour rôle ou pour mission de coordonner à l'échelle diocésaine la praxis liturgique, c'est-à-dire l'art de célébrer et tout ce qui va avec. Et donc cette commission est composée de divers membres, parmi lesquels des prêtres, des religieuses et des fidèles laïcs. Il y a des membres qui ont été nommés par le chargé de la pastorale, de la coordination des services et commissions, l'abbé Raymond Boucard. Mais il y a aussi des membres cooptés pour mieux assurer cette coordination au niveau des doyennés et des paroisses. Voilà comment se présente cette commission. Et cette commission aussi est au devant de toutes les célébrations liturgiques au niveau diocésain. Il est aussi là pour veiller au respect des normes liturgiques au niveau des doyennés et des paroisses, pour que dans la pratique, il puisse avoir une certaine harmonie dans l'art de célébrer. Je crois que c'est ça le rôle de la commission et nous sommes chargés de veiller à cela à travers tous les membres qui la composent et bien sûr avec la collaboration de tous les prêtres, de tous les fidèles et de tous les religieux et religieuses. Et en présentant cette commission, je reviens sur deux phrases que nous ont citées le pape Jean-Paul II et le pape Benoît XVI et qui, à mon entendement, peuvent nous aider à mieux comprendre ce qu'est la liturgie et mieux comprendre aussi en quoi consiste notre travail. Donc le pape Saint Jean-Paul II disait que la liturgie n'est pas un laboratoire où chacun vient faire son expérience. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est pour nous dire que la liturgie suit un certain nombre de règles et de normes qu'il faut respecter. Au labo, on est libre de faire nos expériences pour avoir nos propres découvertes, nos propres recherches. Mais dans la liturgie, il ne s'agit pas de questions personnelles, il s'agit de quelque chose qui est déjà établi et qu'il faut respecter comme il se doit. Et le pape Benoît XVI, le pape émérite, renchérit en nous disant que
la manière dont le culte doit être rendu n'est pas matière à compromis. Mmh. C'est-à-dire que nous n'avons pas à le faire comme nous le voulons, mmh, ou bien selon nos goûts personnels. Mmh. C'est établi, il faut respecter cela. Mmh. Et je crois que ces phrases aussi motivent notre mission, mm-hmm, comme mission de coordination et d'harmonisation de la liturgie au niveau du diocèse. Mm-hmm. Merci l'abbé, je pense que c'est très bien clair la présentation. Et comme vous l'avez dit, vous veillez à la liturgie, vous êtes au devant de la praxis, comme vous l'avez dit, de la liturgie. Alors, nous nous acheminons vers les fêtes de Noël. Noël est une très grande fête. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des dispositions ou des axes d'orientation que la commission propose aux prêtres, aux fidèles et à toute la communauté diocésaine de Thiès? Voilà, merci beaucoup. Nous saisissons l'occasion de cette invitation pour revenir sur certains aspects de nos célébrations, surtout en cette approche des fêtes de Noël, pour donner quelques orientations pratiques afin de mieux aider à respecter non seulement les normes liturgiques, mais à bien vivre cette fête-là. Parce que le cœur de la fête, ce n'est pas d'abord les festivités mondaines, mais la liturgie, la célébration eucharistique. Et je crois que cela est important. Et dans ce cadre-là, je parlerai de la préparation en avant. Et en parlant de la préparation en avant, au-delà de l'aspect spirituel des confessions et autres, il y a la préparation des sacristies, des églises et tout. Et je crois qu'il est important de bien préparer tout cela, le cadre liturgique, pour que tout soit prêt et pour que tout puisse aider à la prière. Et en ce sens, je reviendrai sur la crèche. La crèche qui est toujours présente pendant le temps de Noël et qui revêt une importance capitale pendant ces fêtes-là, parce qu'il nous rappelle le cadre dans lequel le Christ est né. Et donc, en décorant les crèches, il ne faut pas oublier ce qui va avec. Mm-hmm. Parce que nous pouvons avoir tendance à moderniser tellement les choses que, okay, voilà, nous oublions que, okay, il faut respecter le cadre naturel, le cadre d'origine. Mm-hmm. Et ça, c'est important. L'autre chose, c'est par rapport maintenant aux personnages qui sont présents dans la crèche. Mm-hmm. Il y a l'enfant Jésus, naturellement, que le prêtre apporte à la procession de la messe de la nuit et qu'il dépose au début de la célébration. Et un certain nombre d'autres personnages qui sont là et qui revêtent aussi une importance capitale. Et il faut savoir que tous ces personnages s'organisent autour de l'enfant Jésus. Et donc la disposition doit respecter cela aussi. Parmi ces personnages, nous avons les deux parents, Saint Joseph et la Vierge Marie. Ces deux aussi parents qui doivent être disposés de manière à avoir le regard fixé sur l'enfant Jésus. Et donc l'enfant Jésus qui doit être au milieu d'eux et au milieu de l'étable même. Hormis ces deux parents, il y a aussi des animaux qui doivent être présents, parmi lesquels l'âne. L'âne qui a transporté Marie. Voilà. Il ne faut pas l'omettre, il était là. L'âne aussi était là. Il faut le disposer aussi dans le cadre des personnages qui doivent être présents. Il y a aussi le bœuf que nous trouvons souvent dans nos crèches, l'animal de prédilection de la bergerie. Il s'agit d'un cadre de bergerie, d'une étable. Donc le bœuf aussi revêt une importance capitale parmi les personnages. Parmi les autres personnages, il y a les bergers aussi. Ceux-là qui ont reçu en premier lieu cette annonce de la naissance du Christ, il faudra aussi les disposer dans ce cadre-là. Et dans un cadre qui respecte ce que disent les textes par rapport à leur attitude quand ils sont venus, voilà, pour adorer l'enfant et tout ça. Et ça, c'est important, surtout les premiers jours de Noël, que les bergers soient dans une position d'adoration et tout, dans la disposition de la crèche. Maintenant, il y a les rois mages qu'il ne faut pas mettre en évidence aussitôt, parce que souvent, il y en a qui disposent les crèches, ils mettent aussitôt les rois mages, alors qu'il s'agit pas encore, il n'est pas encore question des rois mages. C'est bien après qu'ils entreront en scène. Donc, on peut ne pas les mettre, on peut attendre à l'épiphanie pour les mettre, ou si on les met dans la crèche, si on a une crèche assez grande, qu'on les mette là où on les voit un peu de loin, des gens qui arrivent, en retrait, comme des gens qui arrivent. Effectivement. Et pour un peu respecter aussi la succession des événements par rapport à cette crèche-là. Donc je voulais vraiment revenir sur cela, parce que c'est important. Et c'est un rappel pour que ceux qui décorent les crèches puissent tenir compte de cela, et que les prêtres, les aumôniers, conseillers, conseillères puissent aussi veiller à cela. Voilà.
Donc par rapport à la crèche, c'est ce que je voulais dire. Mm-hmm. Maintenant, par rapport aux célébrations, mm-hmm. Les célébrations de Noël ne sont pas aussi compliquées que mm-hmm. celles de Pâques avec la veille pascale ouais. qui est un peu plus longue, plus voilà. complexe. Mm-hmm. C'est une liturgie comme peut-être la messe du dimanche avec peut-être quelques nouveautés ou quelques changements mm-hmm. ou quelque chose de spécial qu'il faudra mettre. Mm-hmm. Et parmi ces choses, je voudrais souligner d'abord ce que j'ai évoqué en parlant de la crèche, la procession où il faut commencer par déposer l'enfant Jésus. Mm-hmm. Voilà. Et maintenant, au niveau du credo, mm-hmm. voilà, il y a beaucoup de gens peut-être qui ne le font pas. Mm-hmm. Au niveau du credo, il y a un certain moment où tous doivent se mettre à genoux. Voilà, c'est prévu. Mm-hmm. Les messes, les deux messes de Noël de la nuit et du jour, mm-hmm. et même à l'Immaculée Conception, il est prévu qu'en récitant le credo, mm-hmm. à un certain moment, qu'on se mette à genoux. Mm-hmm. Je reviendrai mm-hmm. sur mm-hmm. cela. Mm-hmm. Mais d'abord, insister sur ça, mm-hmm. pour que les gens le sachent. Mm-hmm. Voilà, la liturgie est vraiment bien organisée. Ouais. Dans les autres célébrations, il y a les moments où il faut se mettre à genoux, mais à Noël spécialement, mm-hmm. on se met à genoux au credo à partir de « Il a pris chair de la Vierge Marie mm-hmm. ». À partir de ce moment-là, tous doivent se mettre à genoux. Mm-hmm. Et je crois que c'est au président, c'est-à-dire le prêtre qui préside, mm-hmm. de donner le temps en vraiment en veillant à ce que mm-hmm. tout le monde puisse se mettre à genoux. Mm-hmm. Et peut-être pourquoi pas même là où il y a des munitions d'entrée, de préciser cela aux gens okay. avant que la messe ne commence, pour qu'ils soient bien informés mm-hmm. avant que cela n'arrive. Okay. Et que les chorales aussi veillent à ce que, s'ils doivent le chanter, qu'ils prennent de préférence le credo Nicée-Constantinople, mm-hmm. qui est un peu plus développé et qui permettra aux gens d'avoir un temps d'adoration. Parce qu'au fait, pourquoi on se met à genoux, c'est pour adorer l'enfant Jésus mm-hmm. qui vient de naître. Mm-hmm. Et comme ces paroles reprennent cette kénose du Christ, c'est-à-dire cette... ce Christ qui est descendu jusqu'à prendre notre condition humaine, mm-hmm. donc pour encore revivre ce moment-là d'abaissement du Christ qui a pris notre condition humaine, et pour aussi l'adorer comme ses bergers, nous devons nous mettre à genoux en ce moment-là. C'est pourquoi la liturgie a prévu cela. Mm-hmm. Donc les chorales veilleront, s'ils chantent, à prendre au niveau de cette partie-là mm-hmm. un tempo qui puisse permettre aux gens d'adorer. Voilà, d'adorer. Si c'est en latin, c'est à partir d'être et incarnatus est. Mm-hmm. Voilà, à partir de là qu'on se met à genoux. Aussi, prendre ça de manière posée et voilà, mm-hmm. un peu plus solennelle pour que les gens puissent avoir ce temps d'adoration. Mm-hmm. Mais nous invitons surtout les présidents, ceux qui président, les prêtres qui président à ces messes-là, de faire vraiment tout pour inviter les gens à se mettre à genoux en ce moment-là. Mmh. C'est valable pour la messe de la nuit comme pour la messe du jour. Voilà. Donc, ça, c'était par rapport au credo. Mmh. Maintenant, sinon, le reste de la messe se déroule comme d'habitude, sans oublier maintenant d'encenser aussi mmh. la crèche à chaque fois qu'il y aura l'encens. Mmh. Et après ces quelques précisions, je voudrais aussi revenir sur l'octave, mm-hmm. octave de Noël, mm-hmm. qui sont les 8 jours allant de Noël au 1er janvier. Mm-hmm. Voilà. Pendant l'octave, donc la récitation ou le chant du Gloria est obligatoire. Mm-hmm. Donc le Gloria reste obligatoire. Mm-hmm. Donc c'est un rappel aussi pour que ceux qui président sachent que même si on est en pleine semaine, on doit réciter le Gloria ou le chanter. Mm-hmm. Voilà, durant tout le temps de l'octave. Mmh. Aussi cette année, nous avons quelque chose de spécial, la fête de la Sainte Famille, mmh. qui est d'habitude prévue le dimanche après Noël. Ne se fera pas le dimanche après Noël, parce que le dimanche après Noël tombe au 1er janvier, mmh. qui est une solennité, mmh. la solennité de la Vierge Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Voilà. Mmh. Donc, à cause de cette solennité qui prend le dessus, mmh. qui a la primeur liturgique sur la fête, parce que mm-hmm. la Sainte Famille, c'est une fête, mm-hmm. un degré moindre de la solennité. Mm-hmm. La fête de la Sainte Famille sera célébrée le 30 décembre. Donc la norme liturgique prévoit que chaque fois que le dimanche après Noël tombe, en 1er janvier, mm-hmm. que la Sainte Famille soit célébrée mm-hmm. le 30. Voilà. Mm-hmm. Pour que chaque fête puisse avoir son jour. Que chaque fête puisse avoir ses textes et ses oraisons propres. Mm-hmm. Voilà, pour éviter... voilà, de faire un mélange ou bien de donner plus de valeur à une autre. Voilà, mm-hmm. c'est ça. Mm-hmm. Donc cela est important, je voulais le rappeler aussi, mm-hmm. pour que les gens le sachent et qu'ils prennent compte de cela. Et aussi un autre rappel qui me paraît important, c'est toujours par rapport à la fête du 1er janvier. Mm-hmm. Que dans beaucoup de nos paroisses,
Le 31, nous célébrons voilà, des veillées, tout ça. Et nous omettons de programmer des messes pour le 1er janvier. Alors que c'est une solennité. Solennité, c'est un jour de précepte et d'obligation. Voilà, donc il faut qu'aussi les fidèles le sachent et que nous prêtent aussi, que nous puissions faire des efforts pour programmer des messes, même si c'est une seule messe pour toute la paroisse, au moins on offre l'opportunité aux gens de pouvoir célébrer cette fête-là. Parce que souvent, la messe du 31, il y en a qui... pour faciliter les choses, prennent les textes du premier et puis ils disent qu'ils ont fait. Alors que la messe du 31, c'est un passage. C'est une messe de passage, passage. En fait. Oh, voilà. L'action de grâce, on passe à, voilà, une nouvelle. À une nouvelle. Mais ça n'occulte rien de la solennité du exactement. De la, voilà, de c'est sur quoi je voulais revenir même. Mm-hmm. La messe du 31 est dite une messe de passage. Mm-hmm. Il y a des textes qu'ils ont souvent proposés qui s'inscrivent dans l'action de grâce mm-hmm. pour une nouvelle année mm-hmm. et on nous invite souvent à prendre des oraisons pour une nouvelle année qui commence, mm-hmm. alors que la fête du 1er janvier mm-hmm. a ses textes propres et ses oraisons propres. Ouais. Voilà, donc si nous faisons une messe de la nuit, qu'on commence souvent vers 22h en finissant vers minuit et en se souhaitant bonne fête, là ce n'est pas une messe du 1er janvier. Et donc il faut qu'on respecte aussi cela, qu'on puisse faire des messes aussi le 1er janvier. Voilà, qu'on fasse des efforts en ce sens pour que les fidèles sachent que la messe du 30 est différente de celle du 1er janvier. C'est deux célébrations différentes. Une pour le passage d'une année à une autre et l'autre pour marquer la solennité de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Voilà ce que je voulais rappeler mm-hmm. et qui paraît important. Mm-hmm. Maintenant, par rapport à la semaine de l'octave, là, mm-hmm. il y aura la fête de Saint-Étienne le 26, mm-hmm. la fête de Saint-Jean-Apôtre le 27 mm-hmm. et les Saints-Innocents mm-hmm. le 28. Voilà, sinon, voilà. Les autres jours, on prend à partir du 29, on prend le cinquième jour de l'octave, et puis ainsi de suite. Mm-hmm. Voilà. Alors, nous continuons un peu. Alors, vous êtes le chargé de la commission de liturgie diocésaine. Mm-hmm. Sûrement, vous avez un plan d'action. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel mm-hmm. et sur lesquels vous incitez-vous en tant que commission liturgique du diocèse? La commission a reçu du vicaire chargé, vicaire épiscopal chargé de la pastorale et de la coordination des commissions et services. Mm-hmm. Ce que j'appellerais peut-être un cahier de charge où on nous donne les points d'insistance mmh. sur lesquels nous devons travailler dans les 3 années à venir, parmi lesquels nous avons une demande de veiller à la formation des maîtres de chœur mmh. et de veiller sur le contenu des compositions. Mmh. Voilà. En ce sens, un travail est en train d'être fait parce que il y a un certain comité de correction des partitions, voilà un comité qui est chargé de vérifier et de corriger certaines partitions pour que vraiment les textes puissent être conformes aussi à la doctrine de l'Église. Voilà, ça c'est important et ça fait partie de notre travail de coordination. Et il nous a été demandé aussi de faire une compilation des chants traditionnels en Wolof, mm-hmm. en dehors du Tchabé Aljana, mm-hmm. avec leur partition musicale. Mm-hmm. Et aussi en commission, nous avons jugé bon que d'élargir cela aussi aux autres chants locaux, mm-hmm. parce qu'il n'y a pas que le Wolof dans le diocèse, il y a le Sérère aussi, mm-hmm. Sérère Non, Sérère Doute, Sérère Sine. Mm-hmm. Et ils ont des chants aussi traditionnels qu'on peut recueillir mm-hmm. comme un patrimoine. Mm-hmm. Donc nous veillerons aussi à mettre en place des commissions ou des comités mm-hmm. pour vraiment essayer de faire ce travail-là. Mm-hmm. Voilà. En comptant bien sûr sur l'appui de la coordination de la pastorale. Mm-hmm. Il nous a été aussi demandé de promouvoir la spiritualité des chorales, mm-hmm. ce que nous allons essayer de faire à travers des récollections, à travers des rencontres fréquentes, mm-hmm. surtout aussi de la formation mm-hmm. doctrinale et liturgique des maîtres de chœur, mm-hmm. pour que nos chorales puissent être beaucoup plus spirituelles qu'ils ne le sont maintenant. Bon, c'est pas pour dire qu'ils ne sont pas spirituels, mais qu'ils soient davantage spirituels pour aider le peuple de Dieu à mieux prier. Il nous a été aussi demandé d'aider à la formation des acteurs liturgiques des paroisses pour une meilleure qualité de nos célébrations. Et en ce sens aussi, la commission s'est fixée comme objectif cette année de miser sur la formation, surtout la formation des lecteurs, surtout aussi la formation des maîtres de chœur, pour que vraiment ils puissent savoir en quoi consiste leur travail et qu'ils comprennent davantage le sens de la liturgie et le sens de l'Église. Mmh. Ça aussi, nous verrons à cela. Mmh. Il nous a été aussi demandé d'étudier les initiatives d'introduction des éléments culturels dans les célébrations à travers l'inculturation. Donc, ce que nous allons essayer davantage de travailler,
un travail se fait déjà en ce sens où une inculturation est déjà là parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons avec les processions d'évangile, les processions des offrandes et tout ça. Nous voyons déjà des matières, voilà, des éléments d'inculturation là-dedans. Nous allons davantage travailler cela pour mieux harmoniser au niveau du diocèse. Voilà. Mais après ces points d'insistance et après notre réunion en commission, nous avons aussi jugé bon cette année de sortir un guide pour les aumôniers et même pour tous les prêtres et pour les comités de liturgie. En quoi consistera ce guide? Voilà, le guide servira aux prêtres, aux religieux, religieuses peut-être, et même aux comités de liturgie pour recevoir vraiment certaines orientations, certaines pistes pour que la praxis liturgique puisse vraiment être respecté et vécu de manière harmonieuse ici dans le diocèse. Qu'on soit à la cathédrale, qu'on soit dans une autre paroisse, qu'on puisse se rendre compte que c'est la même église qui célèbre l'Eucharistie, c'est la même église qui célèbre telle ou telle chose. Et comme point retenu pour le moment, mais nous allons davantage le développer et nous promettons de pouvoir le sortir d'ici fin janvier pour que ce soit mis à disposition de tous. Mais nous avons jugé nécessaire de revenir sur certains points qui sont peut-être une partie seulement de ce que sera ce guide-là. Donc nous aurons comme point d'insistance un suivi plus soutenu des groupes de liturgie et des différents acteurs liturgiques par les aumôniers. Voilà, nous invitons vraiment les aumôniers à mieux suivre les groupes liturgiques, à les former, à leur apprendre vraiment l'importance de la liturgie. Et partout où il n'y en a pas encore, qui puissent mettre en place ces comités de liturgie qui aident beaucoup dans la célébration liturgique. Aussi, un suivi des compositions au sein des chorales de nos paroisses. Voilà, je parlais d'un comité de vérification et de correction, mais si le travail se fait déjà à la base avec les aumôniers, le travail du comité sera beaucoup plus allégé. Je crois que les aumôniers peuvent aussi nous aider en ce sens. Il faudra aussi que les aumôniers veillent à la formation doctrinale, liturgique et spirituelle des chorales, comme on nous l'a dit, et même des autres acteurs liturgiques, les lecteurs, les enfants de cœur, les sacristains, qu'ils aient une formation beaucoup plus doctrinale, liturgique et spirituelle. Voilà, parce que les connaissances vagues qu'ils ont ne suffisent pas. Il faut que vraiment ils soient davantage ancrés et pour qu'ils puissent mieux rendre service. Voilà. Aussi, veiller à la mise en œuvre de la charte des chorales qui est sortie. Voilà, comme l'acolyte aussi est une entité de la commission, l'acolyte qui est la coordination des chorales liturgiques du diocèse, appelée acolyte, association des chorales liturgiques, je crois. Donc il est une entité à part entière. Leurs objectifs aussi font partie des objectifs de la commission. C'est pourquoi je cite cela. Peut-être leur aumônier spécifique reviendra là-dessus aussi à d'autres moments. Mais il faudra que tous les aumôniers aussi nous aident à ce que la charte des chorales soit mise en place. Ceux qui n'en disposent pas, nous ferons tout pour qu'ils puissent en disposer et que ça soit mis en pratique. Ça aidera beaucoup les chorales à mieux savoir en quoi consiste leur travail, en quoi consiste leur mission dans l'Église et à mieux la mettre en pratique, cette mission-là. Et l'autre chose, c'est faire des formations fréquentes pour tous les acteurs de la liturgie. Et en cela, peut-être même faire des formations à l'approche des grandes fêtes pour rappeler aux gens l'importance de ces fêtes, leur donner le sens spirituel de ces fêtes pour que, en étant acteurs lors de ces événements, ils puissent mieux comprendre et mieux vivre ces événements-là, ces fêtes-là. Et donc, nous invitons tous les aumôniers aussi à veiller sur cela. Travailler aussi au niveau des paroisses à la séparation de l'ambon et du pupitre. Voilà, c'est vrai que c'est pas chose facile parce qu'il faut se doter des deux. Ça coûte de l'argent, mais je crois qu'on peut y arriver en mobilisant les moyens de la paroisse et puis en mobilisant les fidèles. Je crois qu'on peut arriver à avoir, là où vraiment l'église est bien disposée, qu'on puisse avoir l'ambon à droite et le pupitre à gauche. L'ambon qui a un rôle différent de celui du pupitre. Voilà, l'ambon qui doit accueillir la parole de Dieu, l'homélie et tout ça. Et tout ce qui est lié à la parole de Dieu est réservé à l'ambon. Et tout ce qui est lié aux annonces et voilà, à la parole humaine revient au pupitre. Voilà, donc nous invitons vraiment les curés aussi, surtout,
à travailler à ce que dans nos églises, ils puissent avoir l'ambon et le pupitre. Pour que voilà, les normes liturgiques soient beaucoup plus respectées. Et aussi là où l'espace le permet et la disposition de l'église, surtout la disposition de l'autel le permet aussi, chercher un pupitre pour le prêtre, pour qu'il fasse là-bas les rites d'introduction et de conclusion de la célébration eucharistique. Ça aussi, ça fait partie des points sur lesquels nous allons insister pour que l'autel soit strictement réservé à la liturgie eucharistique. Voilà, elle sera réservée à la liturgie eucharistique. Parce que c'est aussi des normes de la liturgie qu'il faut aussi mettre en pratique pour une meilleure célébration. Et aussi, maintenant, faire des formations pour les lecteurs, les former à la rédaction des prières universelles et des monitions. Nous voyons dans beaucoup de paroisses, des efforts se font en ce sens. Des gens constituent des groupes de rédaction, de prières universelles et de monitions. Et ça allège un peu les prêtres. Parce que si c'est le prêtre qui doit toujours faire les prières universelles et les monitions alors qu'il a beaucoup d'autres choses à faire, c'est ce qui amène que parfois, quand il n'est pas là, il n'y a personne pour le faire ou on improvise. Alors que la liturgie demande une préparation. Même si on est habitué, il faut toujours écrire, préparer, écrire. Et donc, il faut qu'ils forment les fidèles à cela pour qu'ils eux-mêmes puissent faire la rédaction des prières universelles et des monitions et que lui, il corrige. Voilà, je crois que c'est important de faire ce genre de choses-là. Et puis, nous invitons aussi à faire des monitions de plus en plus dans nos paroisses. Parce que nous voyons que la plupart des paroisses ne sont plus composées d'un seul groupe ethnique. Il y a des compositions cosmopolites, des gens venant de divers horizons. Et pour que tous puissent avoir accès à cette parole de Dieu, je crois que faire des monitions en croisant la langue de la lecture et la langue de la monition pour que ceux qui ne comprennent pas la langue de la lecture puissent comprendre à travers la langue de la monition ce que dit le texte. Donc il faut qu'aussi on arrive à cela. Ce n'est pas quelque chose qui va allonger nos célébrations, au contraire, ça va aider les gens à mieux comprendre. Et je crois que c'est une chose aussi sur laquelle on peut revenir. Voilà ce qui est un peu comme point saillant de ce qui va sortir comme guide pour l'aumônier et pour tous les prêtres et pour les comités de liturgie pour que vraiment ils puissent avoir beaucoup plus d'harmonie au niveau voilà, de la liturgie du diocèse. Voilà, merci l'abbé, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Chers téléspectateurs, c'était l'invité du jour dans l'émission Au cœur de la foi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro dans l'invité du jour. Attends-moi ici, Marie. Et surtout, ne perds pas courage. Ô Seigneur, où es-tu? Pourquoi nous laisses-tu si seuls dans cette nuit d'hiver? Allez, on va vous trouver une petite place où vous serez au chaud. Venez. Venez. Au moins ici, vous serez tranquille. Je vous laisse la lanterne. Merci. Alors? Ça te plaît, Marie? Mon fils n'aurait pas pu désirer un plus beau palais pour venir au monde. Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est Christ Seigneur. En voici le signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.
Nous venons saluer le Sauveur qui nous a aimés. Par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. La fête était super. J'ai trouvé la fête merveilleuse. Elle était jolie, elle était bien. Les élèves ont bien joué et on a vu le Père Noël. Je conseille aux élèves de bien travailler, d'avoir de bonnes notes. Je les conseille de bien travailler, de respecter les enseignants et de ne pas de continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année scolaire. Je souhaite un joyeux Noël à tous les enseignants et tout le personnel de l'école Daniel Broutier. Quand nous parlons de Noël, nous pensons aux enfants.
Et aujourd'hui, l'école d'Agnès Brottier a organisé l'arbre de Noël. Histoire de fêter Noël avec les enfants, histoire de nous divertir avec nos enfants, histoire aussi de dire à nos enfants que nous les aimons et que nous les aimons beaucoup. Aujourd'hui, tous les élèves étaient là à l'école d'Agnès Brottier. Nous avons commencé par revivre la scène de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'annonce de l'ange Gabriel jusqu'à la naissance à la crèche. Et les enfants ont suivi cette scène avec enthousiasme et avec joie. Après cette fête, nous avons accueilli le Père Noël. Quand on parle de Noël, il faut le mythe du Père Noël. Et Père Noël était là, il était venu, les enfants étaient contents. Et c'est une ambiance de fête familiale, la fête de la famille éducative de l'école Daniel Brottier. Tous ensemble, personnel, directeur, enseignant, personnel de service, élèves, tous nous étions là contents pour fêter Noël. Alors nous souhaitons un joyeux Noël à tout le monde. Nous souhaitons une bonne et heureuse année 2023 à tous les parents, nos premiers partenaires, à tous les amis de l'école Daniel Brottier et disons aux élèves de passer de très bonnes fêtes de Noël. On leur donne rendez-vous en janvier, le 2 janvier précisément, pour la reprise du deuxième trimestre. Joyeux Noël à tous et bonne et heureuse année 2023. Chers téléspectateurs, vous êtes dans la rubrique Les annonces dans votre émission catholique dominicale au cœur de la foi. Retenez et notez, l'Assemblée générale des agents pastoraux du diocèse de Thiès, le vendredi 30 décembre au centre Abbé Jean-Baptiste Fay de Thiès. D'ores et déjà, nous portons en prière nos agents pastoraux. La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du diocèse à son Excellence Monseigneur André Guéhi est prévue le 30 décembre à 17h à la cathédrale Sainte-Anne. Avant ce traditionnel échange de vœux, des vêpres solennelles seront chantées avec son Excellence Monseigneur André Guéhi et au sortir de ces vêpres, nous lui adresserons nos vœux du nouvel an 2023. Dimanche 1er janvier, coïncidant avec la solennité de la Sainte Marie Mère de Dieu, l'Église tout entière célèbre la Journée mondiale de prière pour la paix. Et à cette occasion, tous en famille, nous aurons une pensée pieuse pour toutes les familles qui sont en difficulté. Pour tous les pays qui traversent des difficultés, notamment la guerre, pour toutes les personnes qui vivent la souffrance ou qui sont dans les épreuves. Chers téléspectateurs, et surtout à vous, chers parents, notez et retenez le pèlerinage diocésain des enfants à Morolan, le 8 janvier, coïncidant avec la solennité de l'Épiphanie. Nous invitons tous les parents à inscrire très tôt leurs enfants pour ce grand rassemblement de fêtes, pour ce grand rassemblement de la foi autour de leur pasteur, son Excellence Monseigneur André Guéhi. Les parents peuvent s'inscrire au niveau des paroisses ou au niveau des responsables de mouvement. Chers téléspectateurs, c'était tout pour les annonces. Je vous donne rendez-vous dans votre prochain numéro de Cœur de la foi. Je vous souhaite à vous tous un joyeux Noël, dans la paix et la joie du Christ. Nous voilà, chers amis, chers fidèles téléspectateurs de votre émission, à la fin de notre rendez-vous dominical. Recueillons à présent avec joie, mais surtout avec confiance et foi, la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes avec lui et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles sans fin.
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu de toute miséricorde, de tout amour vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers fidèles téléspectateurs, au nom de toute l'équipe de Cédicom Thiès, nous vous souhaitons de très belles et joyeuses fêtes de Noël. Demeurez dans cette joie et que la joie de l'enfant Jésus illumine vos vies et apporte à vos familles la paix et la joie.